Salut, c'est Morgane. Eh bien, je suis à Marseille et je suis en train de chercher le restaurant vegan que Rosalys m'a conseillé. Alors, on va essayer de le trouver et puis de voir si les plats sont bons. Je suis revenu du restaurant que m'avait conseillé Rosalys, la Baie du Dragon, et c'était vraiment super. Un super restaurant vegan qui n'y paraît pas parce que quand on arrive devant le restaurant, en fait, la carte fait apparaître aussi des plats non vegan. Donc en fait, c'est un restaurant asiatique qui a décliné les plats traditionnels aussi en mode vegan. Donc il y a les deux, il y a des plats non vegan, donc avec du bœuf, du poulet, etc. Et il y a des plats vegan et la carte est assez conséquente en fait. Et j'insiste, ce n'est pas que végétarien, c'est aussi vegan, ce qui est assez exceptionnel parce qu'on a vraiment du mal, je trouve, à mettre la main sur ce type de restaurant. Alors, l'ambiance à l'intérieur est très zen, très calme, beaucoup aimé. Et puis le monsieur, on sent sa passion. Alors tout de suite, quand il voit des gens qui commandent des plats végétariens, il fait « alors, végé ?» pour dire « est-ce que vous êtes végétarien ?» Et les gens disent « oui », généralement. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui viennent pour le côté végétarien, et ce à quoi il ajoute, et ici ce n'est pas que végétarien, c'est végétalien. Et je trouvais ça chouette, parce que du coup en fait, j'ai pris un plat principal et puis un dessert, donc en plat principal, des nouilles sautées avec du tofu grillé et plein de petits légumes, le tout dans un curry de coco, c'était vachement bon. Et puis en dessert, des nems au chocolat avec de la chantilly végétalienne. Alors moi d'habitude, je prends tout le temps sans chantilly, mais j'ai voulu tester et en fait c'était super bon. Au final, une super réussite, j'ai adoré ce restaurant. Et donc le séjour à Marseille restera clairement associé à cette expérience. Alors vraiment, merci Rosalys pour m'avoir incité à aller découvrir ce restaurant. Moi aussi, à mon tour, je vous encourage vivement à y aller. Donc la Baie du Dragon, c'est pas loin du Vieux-Port, donc en plus c'est bien placé et les gens sont vraiment gentils et on mange bien. Et ça fait du bien pour le corps. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye! La couleur est sacrément rouge. La lumière dans ma chambre d'hôtel est très rouge. C'est un adagio, donc avec teinte orange et rouge, mais à ce point-là, on croirait que j'ai attrapé la rougeole ou la rubéole, mais rien du tout. C'est juste la lumière. Voilà.